Yo, Yarlodomo, c'est Kazuki, et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing des collectors, enfin du collector de Final Fantasy XV. Hop. Alors, comme on peut voir, c'est quand même deux grosses boîtes. Allez, c'est parti. On va sortir le couteau des familles. Pour le prix, bien sûr, carton, c'est déjà pas mal. Alors, normalement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de coordonnées. Depuis le temps qu'on l'attend, ce petit collector. Ah. Final Fantasy. Ouais. On va essayer de déballer ça sans trop de casse. Bon, on peut dire que le collector est quand même bien protégé. En plus, il y a du bulle. Alors, commençons à regarder ça d'un peu plus près. Final Fantasy XV, édition collector ultime. Ah, vous avez un peu les reflets. Je vous fais ça entre midi et deux, avant que je retourne au boulot. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une version full FR? Non, on a un peu tous les... On n'a pas de logo dégueulasse, par contre on n'a pas le Peggy allemand. Oh, il va perdre toute sa valeur. Bon, c'est pas grave, j'en ai un deuxième. Oui, ça je vous raconterai pourquoi j'en ai deux, peut-être dans une autre vidéo. Alors, je vais l'enlever de la caméra. Hop. On a fait péter le 10 scellé. Alors, une boîte dans une boîte. Donc là, on avait du fourreau. C'est un peu compliqué. Hop, je vais tout vous enlever. Hop. Voilà. Une belle boîte ouverte. Alors, là encore, nous retrouvons le superbe logo. C'est vraiment sympa, est-ce que vous le voyez? Ouais, vous le voyez. Alors, on va vous faire peut-être un petit zoom. Oups. Excusez-moi la caméra. Hop, on va vous dézoomer un peu. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est peut-être dans ce sens-là. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va dézoomer. Alors, en tout cas, la boîte est classieuse. Ça doit être aimanté, je pense. Alors, ça s'ouvre comme ça. C'est quand même beau. On va revenir un peu sur les... que vous voyez quand même. On voit bien que c'est le travail... Merde, en plus, je vous le mets mal. On voit bien que c'est le travail... d'Amano. Alors, je pense que l'autre là-bas, ça doit être la figurine. On va regarder ça vite fait. Ouais, c'est ça, la PlayArt Action Figure Kai Noctis Ultimate Collector Edition, qui n'est pas scellée. Au final, il n'y avait vraiment que le... Hop, la jolie boîte. Alors, on est parti. Yarlodomo, c'est vraiment un unboxing totalement à l'arrache, totalement imprévu. Oh,
Hop. Alors on est parti. Alors est-ce qu'on peut le sortir? Oh, c'est le bordel. Ah, c'est costaud. Allez. Donc là, ça doit être l'artbook. Ouais. The Art of Final Fantasy. Alors on va poser ça pour l'instant. Là c'est vraiment l'unboxing, je pense que je referai une vidéo par la suite et on regardera le contenu en détail. Donc là, qu'est-ce que nous avons en surfant avec les reflets? Le spécial soundtrack FF15. On va ouvrir ça. On regarde qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de protégé. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons un soundtrack et le Brotherhood. Il n'y a pas de code, donc c'est bon. On remet ça à sa place. Et dans le deuxième, nous avons très certainement le jeu, un steelbook. Alors nous avons pas mal de paperasse et des codes. Et nous avons le jeu et Kingslave. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ouais, la boîte est juste vraiment ultra belle. Le packaging, ils ont fait un effort. On va regarder vite fait la figurine avant de se quitter. Alors normalement, c'est la figarde classique, hein, sauf qu'elle a une arme, Noctis a une arme spécifique à la version collector. Je ne sais pas que tout nous tombe sur la gueule. Hop. Ah, ils sont sympas, c'est scotché. Et voilà la figarde. Alors, moi je la tourne un peu pour voir. Elle est correcte. Les armes sont magnifiques par contre. Le visage. On va faire un petit zoom. Essayez que vous voyez un peu. Vous voyez. On va essayer de vous faire un plan de tout. Hein, que vous voyez les armes. Vous voyez quand même la qualité est présente. On va vous dézoomer un peu. Hop. Voilà. Vous voyez quand même, c'est de la qualité. Mais après, on est sur de la figarte. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo unboxing. J'en referai une autre pour présenter l'artbook et sûrement la figurine montée et en mouvement. Et moi, ben, je vais aller mettre le jeu à télécharger le patch Day One et n'hésitez pas à me suivre. Bientôt, je ferai le FF15 en live. Sur ce, Yalodomo, on se dit Gianni.